Bonjour à tous, bonjour les amis. Alors aujourd'hui, on va parler dans cette vidéo de la meilleure matière organique pour le potager, en tout cas pour ce qui me concerne. Alors j'avais commencé une série de petites vidéos sur l'initiation non travail du sol. Celle-ci est en fait la sixième et ce sera également la dernière. Si vous voulez voir ces vidéos précédentes, hein, vous cliquez sur le logo de la chaîne, vous allez dans les playlists et vous verrez une playlist qui s'intitule Initiation non travail du sol. Dans la première vidéo, j'ai essayé de faire une classification telle que moi je vois les choses, c'est-à-dire cultiver avec le sol, cultiver contre le sol ou cultiver hors sol. Bon, pour ce qui est de la culture hors sol, culture en pot, culture en bac comme je pratique d'ailleurs, ou voir d'autres comme l'hydroponie ou plein d'autres méthodes, ce n'est pas pour l'instant le sujet de cette vidéo. C'est plutôt l'opposition entre cultiver avec le sol, cultiver contre le sol. Donc cultiver avec le sol, c'est se tenir au plus près du cycle du végétal. C'est en fait le fil rouge, on va dire, de mes pratiques. C'est-à-dire quand j'ai un doute par rapport à quelque chose, je regarde comment ça se passe dans la nature et je vais essayer de me tenir au plus près. Alors, on voit que dans la nature, jamais on ne voit un champ de labour sans qu'il y ait intervention humaine. Donc effectivement, la pratique du non-travail du sol, c'est un des éléments clés de mon système. Dans la deuxième vidéo, où de façon un peu provocatrice, je parlais du travail du sol comme d'une drogue. Pourquoi? Parce que, en fait, quand on veut arrêter après avoir commencé à travailler le sol, on est confronté à certaines difficultés qui sont tout simplement que la structure du sol, qu'on a améliorée à court terme par le fait de la travailler, c'est-à-dire en injectant de l'air en particulier, eh bien la structure elle va s'écrouler si on ne continue pas à travailler seul. C'est pour ça qu'on est amené constamment à retravailler, retravailler, retravailler pour retrouver cette structure plus légère qu'on nomme souvent la terre comme du couscous. Alors qu'en fait, bien si on regarde ce qui se passe dans la nature, c'est en fait la vie du sol qui fait la structure du sol, la vie du sol plus le réseau racinaire qui, lorsque les racines meurent, eh bien, ça crée également de la porosité. Donc, c'était le sujet de cette deuxième vidéo pour bien montrer les différences entre les deux systèmes et puis aussi insister sur le fait que, eh bien, on peut directement, quand on commence, par exemple, sur une pelouse, vouloir transformer une pelouse en potager ou une prairie ou quelque chose qui n'a jamais été travaillé auparavant ou depuis très longtemps. Bon, il vaut mieux dans ce cas-là ne pas travailler du tout. Il faut partir sur un système de non-travail du sol. C'est ce que je conseillais dans cette vidéo. Dans la troisième vidéo, on parle du système sol dans son ensemble et de la manière de connecter nos plants lorsque on amène de jeunes plants à ce système. Et on va rencontrer un certain nombre de problèmes au début avant que les plants puissent bénéficier des avantages de ce système. Et donc les problèmes de début, ça va être par exemple les limaces, les escargots. Et donc je donne quelques conseils à ce niveau-là. Dans la quatrième vidéo, dont on parle de ration du sol. Alors la ration du sol pour nourrir la vie du sol qui, que moi je distingue de façon un peu simpliste, mais c'est pour mieux se situer, entre les bactéries, tout ce qui constitue la pédophone, c'est-à-dire ça va du ver de terre aux nématodes, enfin il y a tout un tas de bestioles dans le sol, et les champignons qui sont encore une catégorie un petit peu à part. Alors la ration du sol, eh bien, ça va être ce qui va nourrir cette vie du sol, et en fait les habitants du sol, ils ont des besoins très différents les uns des autres. Et pour qu'un sol fonctionne bien, il faut que tout le monde ait à manger. La cinquième vidéo concernait plus précisément le réseau mycélien des champignons. C'est un focus sur les champignons et sur les bénéfices qu'il y a à avoir dans son potager, justement, ce réseau mycélien. Parce que ça va être des associations qui vont se produire entre les plantes et les champignons, ce qu'on appelle des mycorhizes. Et il y aura des bénéfices des deux côtés d'ailleurs, le champignon lui récupérant des sucres de la plante et la plante pouvant récupérer des éléments qui ne sont pas directement accessibles aux racines, tout simplement parce que le réseau mycélien est très étendu, il permet donc d'aller chercher et d'aller chercher des éléments qui sont indispensables aux plantes, y compris l'eau d'ailleurs. Et puis il y a également un aspect, c'est que le champignon, comme il est dans une association qui lui est favorable, il va également protéger plus ou moins la plante contre des attaques de maladies.
Alors après ce résumé des vidéos précédentes, on en arrive au cœur de cette vidéo qui est quelle matière organique amener au potager? Et déjà une première question qu'on peut se poser, c'est un ordre de grandeur. Qu'est-ce qu'il faut pour bien nourrir la vie du sol en quantité? Alors moi je me baserai sur ce que j'ai pu voir sur des chaînes comme Vert Production ou Vers de Terre Production ou Maraîchage sur sol vivant où ils indiquent 20 à 30 tonnes de matière sèche, c'est-à-dire quand on retire l'humidité, à l'hectare. Rapporté au mètre carré, ça fait à peu près 2 à 3 kilos. Maintenant, j'aimerais vous présenter ces matières organiques un petit peu comme une gamme, c'est-à-dire qu'on va monter dans la gamme en fonction du rapport carbone-azote hein, qui permet effectivement de définir un peu tout type de matière organique. Alors le gazon que vous pouvez le constater, c'est une matière très verte, hein, donc qui tire sur l'azote, hein, un rapport autour de 10 à peu près. Donc c'est pas moi ce que je vais utiliser pour structurer mon sol, pour faire de l'humus en fait. Hein. Le gazon, il va servir peut-être pour booster au printemps ou en été un semis ou faire un petit paillage comme ça pour permettre au semis de lever et donner un petit coup d'azote. Mais c'est pas la base de mon système de culture, parce qu'en fait le gazon ne va pas nourrir toute la vie du sol. Par exemple, les champignons, c'est pas avec ça que vous allez nourrir vos champignons. Alors les foins. Alors je parle des foins parce que ça dépend à quel stade on va couper donc l'herbe. Bon, en général, le foin, on peut considérer qu'on va le couper dans le développement de la plante entre la fleur et la graine. Mais bon, il peut y avoir des foins qui vont être coupés plus tôt ou qui vont être coupés plus tard. Et donc, le rapport carbone-azote va fluctuer. Bon, on peut parler peut-être d'autour de 30, mais ça donne une indication simplement. Et même avant le foin, on pourrait également évoquer les engrais verts qui sont un stade intermédiaire entre votre gazon et le foin. Ça dépend également à quel moment on va les couper. Donc ce sont des ressources qui sont plutôt riches en azote, qui ne vont pas non plus, de mon point de vue, hein, vraiment être la solution pour bien structurer le sol, même si les engrais verts peuvent avoir un intérêt de couvrir le sol par exemple en hiver. Pour en revenir au foin, donc c'est une matière qui fait assez bien le job. Il y a d'ailleurs des systèmes qui sont entièrement basés sur la couverture du sol avec du foin sans travail du sol. Le potager du paresseux, c'est tout à fait ça. Alors déjà, bon, il faut quand même avoir cette ressource à disposition. C'est pas mal, je trouve, par exemple, dans un système de transition. Moi, je l'ai utilisé la première année parce que la vie du sol n'était pas encore très développée et c'est une matière qui va se dégrader assez facilement sur une année. Maintenant, j'estime que ça manque un petit peu de carbone, qui est quand même l'élément moteur dans mon système, hein, puisqu'il faut aussi nourrir les champignons. Et donc, il faut aller un petit peu plus haut en matière de taux carbone-azote. La paille. La paille, si on regarde dans le développement de la plante, hein, c'est eh bien quand on a passé le stade largement de la fleur, c'est après que les grains soient formés. Donc on arrive un petit peu à la fin de vie de la plante. Pas encore tout à fait, mais presque. La fin de vie serait quand elle se ressèmerait par elle-même et puis ensuite elle retomberait au sol. Donc on a là ici quelque chose de bien carboné, qui est un rapport qui dépasse, qui est autour peut-être de 80. C'est une ressource intéressante. Le problème, c'est que la paille, eh bien, on n'en a pas à disposition forcément partout. Donc s'il faut faire venir des camions de paille, ça devient tout de suite une autre histoire. Dans un jardin potager, quand vous conservez par exemple des plantes hein, pour faire des graines, hein, vous allez voir qu'elles évoluent justement au moment où vous récupérez les graines, vous êtes déjà pas loin de l'état de paille hein, par rapport à, je ne sais pas, je vais prendre l'exemple des blettes par exemple, eh bien, si vous les laissez monter à graines, vous allez voir qu'à un moment donné, les tiges se lignifient, qu'il y a des changements importants qui se font dans la composition de la plante. Et à ce moment-là, effectivement, la plante, quand elle revient au sol, elle a un taux carbone-azote assez élevé. Alors on va passer à des ressources qui sont différentes puisqu'elles viennent des arbres ou des arbustes. Alors il y a les feuilles mortes.
Les feuilles mortes, moi je les mettrais un peu sur le même plan que la paille. Hein. C'est à peu près, on va trouver un rapport carbone-azote qui va être à peu près équivalent. Après, ça dépend des espèces d'arbres. Par exemple, les arbres fruitiers, souvent c'est plus bas. Et puis, des arbres comme un platane, ça va être un rapport plus élevé. Vous voyez d'ailleurs, parce qu'ils mettent plus longtemps à se décomposer. Donc, ça nourrit bien effectivement à peu près l'ensemble de la vie du sol, hein, comme la paille. Attention, on ne va pas aller les ramasser en forêt hein, où on mettrait à mal un écosystème. On va se contenter de les ramasser sous nos arbres ou dans le voisinage hein, s'il y a des opportunités, des gens qui les emmènent à la déchetterie, ce genre de choses que moi je fais. Et c'est une opportunité qui est à saisir parce que effectivement c'est une bonne matière organique. Ensuite, il y a le BRF. Le BRF, alors c'est le bois raméal fragmenté qui, si vraiment on s'en tient à cette définition, correspond au rameau d'un an ou deux au plus, bon, qui doivent se situer un peu comme le foin. Alors, moi, je parle de BRF de façon un peu plus large, parce qu'en fait, c'est tout ce qui va passer dans mon broyeur. Et donc c'est l'ouverture du broyeur qui fait la taille. Donc j'ai des morceaux de bois qui sont des morceaux plus gros. Mon BRF, il est plus carboné. Mais que ce soit donc moyennement carboné ou très carboné, c'est une ressource qui est intéressante parce que c'est pareil, elle va nourrir à peu près toute la vie du sol. Vous allez avoir des parties tendres qui vont être très vite digérées et puis vous avez des parties boisées qui, elles, vont mettre plus de temps. Et donc c'est une matière intéressante. Moi je vois en ville où les déchetteries sont submergées de déchets verts des tailles d'arbres et d'arbustes. Et bien dans les jardins, les arbres et les arbustes, ils continuent à pousser, il n'y a pas de souci. Même si de mon point de vue, c'est plutôt une aberration d'emmener ça à la déchetterie alors que ce serait beaucoup mieux de le recycler sur place, hein, soit au bénéfice de ces arbustes qu'on taille, hein, soit au bénéfice du potager dans un même, voilà, sur le même, à peu près au même endroit. Ensuite, les champignons, ils vont dispatcher les éléments nutritifs ici ou là en fonction des besoins. Donc on a fait un peu le tour de ce que peuvent nous apporter les arbres, mais on peut encore aller un petit peu plus loin en parlant du bois, carrément. Alors évidemment, vous me dites, on ne va quand même pas amener des bûches de bois au potager. Bon, il se trouve que moi, par exemple, je mets des plaquettes de bois, hein, je les mets pour faire mon allée, et je fais ça depuis plusieurs années. Et donc là, on est vraiment sur quelque chose de très 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 carboné. On dépasse allègrement les 100, je ne sais pas combien on est à ce niveau-là, peut-être à 200, à 300. Donc l'objectif ici, c'est de faire des allées qui, justement, ne soient pas trop enherbées, donc ça tombe bien, quelque part. Donc il y a une partie occultation. Et puis il peut y avoir aussi, vu que le rapport carbone-azote est très élevé, on va se dire, ben, rien ne va pouvoir pousser à l'intérieur. Mais en fait, au bout d'un certain temps, et du fait de la présence des champignons, il y a dégradation et ces allées finissent également par être enherbées. Et moi, maintenant, depuis 4 ans que je fais ça, eh bien, je constate que à la fin de l'année, les allées, elles sont un peu enherbées. Bon, j'ai un petit travail à faire chaque année, en fin d'année, pour justement pouvoir remettre à niveau l'allée de façon à ce qu'elle reste bien fonctionnelle. Et en même temps, ça me crée donc un espèce de, on va dire, de broyat hein, qui pourrait être utilisé au potager. Alors maintenant qu'on a fait à peu près toute la gamme des matières organiques végétales, vous dites, il ne nous a pas dit laquelle était la meilleure. Alors moi, je vous dirais que la meilleure matière organique, c'est celle qu'on a déjà à disposition localement. Parce que si c'est pour faire venir un camion de paille, un camion de foin ou je ne sais quoi, tout de suite on perd un peu le bénéfice. Il faut essayer d'être dans une économie circulaire du potager en quelque sorte, hein, où on va essayer comme ça localement de récupérer, de recycler un maximum de matière organique. Et éventuellement, si on a des opportunités locales, on peut également en profiter, en particulier quand on veut mettre en place. Démarrer un système comme le mien au départ, c'est bien d'amener de grosses quantités de matière organique. En allant un petit peu plus loin dans cette direction,
On peut également réfléchir, et moi je réfléchis par rapport à mes pratiques de non-travail du sol, c'est-à-dire que je restitue énormément par rapport à ma production de légumes au potager. J'explique, par exemple, je laisse les racines dans le sol. Laisser les racines dans le sol, sur les plantes en général, on peut considérer qu'il y a à peu près 30% de la matière organique qui est les racines des plantes. Alors ensuite, au potager, ça va dépendre effectivement, puisqu'on va récolter certaines racines comme les carottes, les pommes de terre, les patates douces, les céleris, les betteraves. Donc forcément, on va pas avoir cette restitution-là au sol. Donc si on considère qu'on restitue quand même globalement les racines d'un certain nombre de légumes, plus moi des adventices qui ont poussé où je les coupe au ras du sol, donc les racines, le réseau racinaire va se décomposer dans le sol, c'est de la matière organique, c'est d'autre part de la matière organique qui arrive en profondeur, donc il n'y a même pas besoin là de faire hein, que les vers de terre, ils vont faire leur boulot, mais la matière organique va aller beaucoup plus loin en profondeur. Et donc ce sont des apports qui sont importants. Si on fait, enfin, on peut évaluer à peu près, moi je vais faire une évaluation un peu pifométrique en disant que si on restitue ce qu'il y a sous terre quand on peut, si on restitue la partie supérieure des plantes quand on peut également, eh bien on a à peu près peut-être 50% de restitution de la ration du sol. Et vous avez certaines plantes comme les maïs par exemple, où vous allez juste prendre les grains. Eh bien, vous restituez beaucoup plus à ce niveau-là, peut-être à 70%, 80% de ce qui est nécessaire au sol pour fonctionner. Donc, cet aspect des choses nous pousse encore un petit peu plus loin dans la réflexion, à se dire, eh bien, peut-être qu'il faut introduire au potager des plantes qui font de la biomasse, en fait, hein. Donc là, je parlais du maïs, mais on pourrait parler du sorgho qui supporte mieux les chaleurs. C'est quand même des choses qu'il faut prendre en compte maintenant, de nos jours. Puis vous avez des plantes également, comme par exemple les amarantes également. Et puis toutes les plantes que vous laissez vivre le plus longtemps possible, qui vont amener comme ça de la biomasse, et plutôt de la biomasse carbonée. Finalement, la meilleure matière organique, ça va être celle qu'on va produire localement, et en particulier celle qu'on peut produire au potager. Et donc on va rechercher comme ça, alors je vous ai parlé de l'amarante, du maïs ou du sorgho, mais on peut continuer. Moi par exemple j'ai introduit des cardons cette année, on pourrait parler des topinambours, des yacons également qui font pas mal comme ça de biomasse, pour restituer au sol un maximum de matière et surtout le restituer tardivement quand la matière est carbonée. Alors, vous dites encore, oui, mais il ne nous a pas parlé de compost, de fumier, de broyat, encore que, bon, je parlais du BRF et le broyat, c'est un peu du BRF assez carboné et pré-composté. Bon. Non, en fait, la vidéo est assez longue et je préfère traiter ce sujet-là dans une autre vidéo. Et puis, je dirais qu'il n'y a pas réellement besoin de ces éléments dans un jardin. Alors, évidemment, tout de suite, j'imagine qu'il y en a qui vont sauter au plafond. Mais les fumiers, par exemple, hein, qui sont un élément important dont on parle dans le jardinage, la vie du sol elle-même, elle produit son propre fumier. En fait, hein, les déjections, les animaux qui meurent, etc., dans le sol. Tout ça produit effectivement le fumier qui est nécessaire à la vie du sol. Donc si on a des opportunités dans la nature, on voit bien, il y a des animaux, il va y avoir les oiseaux, il va y avoir des déjections ici ou là. Et puis ensuite, eh bien, les champignons vont faire, comme je dis, le dispatchage de ces éléments dans le sol. Mais ces éléments, si on les a, si c'est une ressource locale, évidemment, il faut les utiliser. Mais ce sont pas, c'est pas l'alpha et l'oméga, on peut très bien s'en passer si on amène suffisamment de matière organique pour nourrir la vie du sol. Encore un point qui me semble important, je vous ai parlé de 2 à 3 kilos de matière sèche à amener sur le sol pour nourrir la vie du sol. Moi j'amène en surface, hein, je n'enfouis pas, je l'amène comme dans la nature, on fait une litière et j'attends que la vie du sol incorpore ceci au sol.
Et en fait, eh bien, suivant le cas, vous allez avoir une vie du sol qui va être plus ou moins développée, surtout quand vous faites une transition vers un système de non-travail du sol. Au début, eh bien, la vie du sol est moins active, mais elle va progressivement prendre de l'importance. Et le bon indicateur, ça va être la vitesse à laquelle la matière organique va disparaître, hein, parce que ça disparaît en fait très vite. Et si vous apercevez que vous en avez amené trop parce qu'il en reste encore à la fin d'année, donc c'est pas grave, hein, ça sera absorber l'année suivante, et puis si vous en avez passé, vous allez le voir, puisque tout aura disparu trop vite. C'est donc un bon indicateur pour voir quelle quantité, sans vraiment se prendre la tête et sans se dire il faut 2-3 kilos de matière sèche, etc. Dans mon cas, j'ai pu constater que les morceaux de bois que j'avais dans mon BRF, surtout les premières années, eh bien, je me disais bon, ça ne va jamais être absorbé par le sol. Donc ça, je me posais des questions, je me disais voilà. Peut-être que je ne fais pas bien de mettre comme ça des morceaux de bois sur le sol. Et en fait, assez rapidement, je pense que c'est avec la venue des champignons, eh bien, ça finit par disparaître. Et ce que je constate au fil des ans, c'est que maintenant, ça va beaucoup plus vite. Alors voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous donc pour une autre vidéo où on parlera justement compost, broyat, fumier. Je vous dis à la prochaine vidéo donc, et portez-vous bien.